Hey, Tari! Stai oggi! Moi, j'étais orphelin. La mère est morte à la naissance de ma sœur. Elle a 6 ans. Et mon père est mort une année après. Il paraît que moi j'avais 7 ans. Il paraît qu'il a plus fait de bonne. Moi, j'ai entendu parler après, mais j'avais 7 ans, on ne réagit pas. On était dans les orphelinats, puis après chez les paysans. J'étais chez les paysans, j'avais 18 ans là. Puis, j'avais chez un paysan dans le Jura, tout près de la frontière française. Le paysan engageait une manœuvre pour faire le bois, c'était le bois l'hiver. Puis je suis couché la même lit que moi, hein, vous savez. Puis il me dit, votre compte, pourquoi tu restes là? Pourquoi tu restes là? On va en France, hein? Parce que là, chez les paysans, j'avais 20 francs par mois. Et le tuteur, il ramassait 15, moi j'avais 100 sous par mois. Alors j'ai attendu 2 mois que j'aille un peu 10 francs. J'avais 10 francs en poche, et puis je suis parti. Je suis parti passer la frontière, puis évidemment, mes 10 francs, j'allais pas loin. Les gendarmes sont arrivés. Moi, je parlais pas mot de français. Ils m'ont foutu au clou pour vagabondage. Le lendemain matin, il est venu un adjudant de gendarmerie qui parlait l'allemand. Il m'a dit, écoute, il n'y a qu'une chose à faire. Nous, le boulot, on n'a pas. On a le chômage. Et toi, pas de papier, hein, alors on te ramène à la frontière. Ou bien, tu es assez grand, tu signes pour la Légion. Moi, je me suis engagé au mois de février 1938. Puis je m'en dis, voilà. Il te faut changer de nom. Et puis tu dois te vieillir de 2 ans. Parce qu'il fallait. J'avais 18 ans, il fallait avoir 20 ans. Alors en France, maintenant, j'ai 93 ans au lieu de 91. Moi, j'ai appris beaucoup de choses à la Légion. Je suis sorti en 5e classe de l'école. J'ai doublé la 4e, mais j'ai doublé la 5e. 2 années, j'ai fait la 4e, 2 années, j'ai fait la 5e. J'étais l'imbécile du village. Parce que chez les paysans, ils s'en foutaient pas mal. On faisait pas les machins, et puis les instituteurs, ils s'en foutaient aussi, parce qu'ils disaient, ouais, ça fera un bon domestique de ferme, il n'a pas besoin de savoir tant que ça. C'est la Légion qui a appris, alors comme il faut, calculer, je savais déjà calculer, mais le reste, pour l'histoire et tout ça, je savais rien du tout. À l'état que j'étais, donc, l'instruction que j'avais, j'avais pas mieux à faire. J'ai appris à vivre, on donnait des cours de français, j'ai appris le français comme il faut, hein, Puis après, j'ai lu un peu l'histoire, j'ai lu. J'ai appris à me former, quoi que ce soit. Maintenant, vous me demandez l'histoire grecque ou bien de tout, l'histoire française, tout. Je réponds tout, l'Allemagne, tout, la Suisse aussi, tout, je sais tout. J'ai fait la guerre de Grand 940 avec les chevaux contre les chars, vous voyez ce que ça donnait. On n'a fait que de retraite. Un bombardier allemand a bombardé la route, puis le pré, puis le cheval a été blessé sur moi, puis moi j'ai eu deux éclats d'obus là dans le ventre. Et les Allemands étaient juste derrière, ils m'ont ramassé, ils m'ont soigné. Puis après, il m'a envoyé en Allemagne, prison de guerre. D'abord à Hambourg. Over Hamburg, Germany's principal seaport and number one war center, tons of bombs rain from the sky.
Le matin, il fallait aller déterrer les bombes qui n'avaient pas éclaté. Et puis après, j'étais près de Graz, là. C'était un camp de répression déjà. Alors on n'avait plus de corps à rouge, on n'avait plus rien. Là, il faisait 56 kilos, il fallait travailler 11 heures par jour. Matin 10 heures, une semaine de nuit, une semaine de jour. Alors la semaine qu'on était de nuit, on a réussi à s'évader. Toute l'équipe qu'on était de nuit. Les Allemands ne nous ont pas poursuivis. Après, on a trouvé les partisans en montagne. Ils nous ont tiré deux jours sur les branches de sapin. On pouvait plus marcher. Février 44. Rendez compte, la neige comme ça. Et puis après, on était dans un hôpital de montagne. Je me demande s'ils ont là. Un hôpital, un hameau que les Allemands venaient plus. C'est entre Maribor et Ljubljana. Et là, ils m'ont soigné, puis il y a les avions qui parachutaient des médicaments, les Anglais, parachutaient des médicaments, puis des vivres à l'hôpital. Et puis, une fois soigné, une fois qui était bon, là, je me suis marié, là. J'ai connu la femme, là. Moi, alors, les Allemands ont fait une offensive. Alors, ils m'ont donné un fusil. Ils disent, voilà, ceux qui ne sont pas, les communistes, c'est comme ça. Ceux qui ne sont pas avec nous, ils sont contre nous. Voilà. Et nous, on nous a nourris maintenant. Voilà, il faut défendre. Les Allemands arrivent, il faut défendre. Moi, ils m'ont donné un fusil comme ça. Mois d'avril 44, et c'est entre. On a attaqué un train de ravitaillement allemand. On n'avait pas vu, c'était un train blindé qui est arrivé. Alors on a été secoués. Et on a pilé là. Puis, chez les partisans, là, deux, trois fois, là, on a risqué. D'ailleurs, après, j'ai trouvé une Beretta, un pistolet, un officier italien. J'ai trouvé une Beretta, la Beretta l'a gardée pour moi. J'ai dit, la dernière cartouche, c'est pour moi. Retourner prisonnier, je ne tourne pas. Ma femme est morte. À Gornigrad, les Allemands n'ont pas laissé un vivant dans le village. Après, évidemment, il y avait les Allemands qui venaient, qui faisaient comme ça. D'ailleurs, on voulait faire quoi? Si on ne les tuait pas, nous, on ne pouvait pas les garder prisonniers. On n'avait rien à bouffer, nous-mêmes. Et puis on ne pouvait pas les garder prisonniers, nous tombait dessus. Et si on les laissait partir le lendemain, ils revenaient avec un fusil. Hein? D'ailleurs, eux, ils faisaient la même chose avec les partisans. Ils ne faisaient pas prisonniers. Hein? Le 6 mai, parce que là-bas, ils ont capitulé. Les Allemands ont capitulé 3 jours avant, en Italie, donc en Yougoslavie aussi. 3 mai, j'avais une Beretta, je suis allé vers le commandant au bureau. Je dis voilà, ça va se faire chirat. Maintenant, la guerre est finie. Quand je suis rentré en Suisse, j'ai dû passer devant le tribunal militaire parce que j'ai manqué, mais ils étaient acquittés parce que je n'étais pas recruté de l'armée suisse. À 18 ans, je n'étais pas majeur. Alors, j'ai parti au tribunal et puis le colonel Islin, il appelait. Il dit, vous avez refusé la défense. Je dis, oui, parce qu'il voulait me faire dire, il voulait que je dise rien. J'ai quand même le droit de parler, on a. Hein? Et puis, alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? J'ai dit, mon colonel, c'est tout simple. C'est pas parce que moi j'étais. Les Alliés ont gagné la guerre. Mais si nous, les Alliés,
n'aurait pas gagné la guerre, vous ne serez pas assis là. Il se levait, il m'a serré la main.